Bonjour, je m'appelle Alejandro, j'ai 25 ans et pour moi, l'entreprise de demain est inclusive et responsable. L'entreprise, je l'imagine vraiment transparente, c'est-à-dire claire sur ce qu'elle veut, claire sur sa structure interne, claire également sur les profils qu'elle recherche. Donc pour qu'on puisse vraiment s'y trouver en fait. Ouais. D'avoir déjà des collègues avec lesquels on s'entend bien, on peut mener des choses ensemble. Je pense qu'un dirigeant d'entreprise doit déjà avoir la valeur de la tolérance, laisser sa chance à tout le monde. Un dirigeant humble qui aussi doit être proche de ses employés, qui doit prendre des décisions fermes tout en étant à proximité de ses employés, voilà. Quelqu'un qui sait être à l'écoute, en fait, puisque quand on arrive en stage ou en nouvel employé, on a énormément de questions. Une entreprise, c'est vraiment une machine, si je puis dire. C'est quelque chose où il y a beaucoup de codes, beaucoup de choses à comprendre et à savoir. Et aussi qui essaye de bien comprendre, en fait, comment on sent et nos problèmes, en fait, avant de les résoudre. Et également, qui puisse nous inspirer, en fait, et nous faire avancer tous les jours. Le job de rêve, je dirais qu'il faut avoir tout d'abord des missions qui soient claires et des objectifs qui soient clairs. En premier point, en deuxième point, je dirais une personne qui sait écouter, qui sait déléguer, qui sait accompagner les carrières des différentes personnes de son équipe. Ça va découler forcément sur une motivation de la personne, un dynamisme, une envie d'entreprendre aussi dans l'entreprise.